fur et à mesure de mes études, comme ça, j'ai rencontré certaines figures de castrat, et donc, notamment celle de Giovanni Carestini, qui était un castrat contemporain de Farinelli, extrêmement connu à l'époque, quasi autant d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir que ce castrat, finalement, on ne peut jamais dire quelle était la vraie qualité de sa voix ou autre, mais un parcours et une carrière musicale nettement plus riche que Farinelli lui-même. Extrêmement apprécié de tous ses contemporains pour la beauté de son timbre, sa qualité d'acteur aussi, qui était extrêmement, extrêmement brillante. Donc c'est un personnage en plus qui m'intéresse parce que très typique du castrat, excentrique, capricieux, toujours en train de demander plus d'argent, toujours en ayant effectivement des demandes comme ça très, très exigeantes de divo de l'époque. Donc il réunit, je trouve, tout ce qu'on peut se représenter de la carrière type d'un castrat en fait. Thank you.
La collaboration s'est effectuée avec Emmanuel au niveau du choix des airs. On a aussi pris beaucoup de plaisir pendant des après-midi entières à essayer de trouver des da capo intéressants, donc ce fameux art d'ornementer la reprise de l'air. Donc elle a beaucoup d'idées très originales, toujours très inventives dans le travail. Un cuore in tropelino, tu mi difendi amore, tu mi difendi amore.